Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue chez Pôle emploi. Vous avez travaillé récemment? Non, pas du tout, je me consacre entièrement à la vidéo en ce moment. Très bien. Mais vous cherchez encore un emploi? Ah non, non, pas du tout, j'ai complètement arrêté ça. Je vais vous dire que je suis vidéaste. Vidéaste. Dans ce cas, je vais devoir supprimer vos allocations, monsieur. Comment ça? Moi, j'ai besoin de cet argent pour continuer Vous à. percevez pas de revenus? Ah non, au contraire, ça me coûte pas mal d'ailleurs. Entre le matériel vidéo, l'éclairage, l'informatique. Pourquoi vous faites ça alors? Un métier, ça sert à gagner de l'argent, monsieur. Mais je fais ça parce que j'aime ça, pour le bonheur que ça procure. Le bonheur? Mais monsieur, vous êtes à Pôle emploi ici, pas à Pôle bonheur. Oh, je vais devoir vous rediriger. Bonjour monsieur, bienvenue chez Pôle Bonheur. Vous êtes en recherche de bonheur? Non, j'essaie plutôt d'en créer en fait. Très bien, vous déclarez combien? C'est-à-dire? Ben, vous déclarez combien de bonheur, monsieur? Vous êtes bien enregistré en tant que youtubeur, c'est ça? Attendez, c'est quantifiable? Ah monsieur, si vous vous octroyez du bonheur sans faire une déclaration aux impôts, c'est hors la loi. Attendez, c'est quoi ce bordel? J'essaie juste de faire marrer des gens sur la toile et vous voulez m'assaillir? Mais attention monsieur, le bonheur en noir est dûment réprimandé. L'État se doit d'en récupérer 24,83% afin de le reverser à des organisations tierces dûment accréditées par les partenaires sociaux. Mais je fais ça gratuitement, mes vidéos sont disponibles à tout un chacun sur ma chaîne. Gratuitement. Et en fait, à quoi servirait l'État qui est sur l'audiovisuel si le bonheur était gratuit? Allons bon. Je refuse de subir par régissement criminel. Bon alors bonjour et bienvenue à Pôle Purgatoire. Donc vous déclarez avoir subi un préjudice moral durant votre existence, c'est ça? Oui, c'est sur Terre, le système est complètement corrompu. Bon, m'en parlez pas. Hein. Bon alors vous déclarez avoir combien d'heures de gentillesse? Je sais pas, moi j'étais juste vidéaste en fait. Donc vous aviez un boulot? Non, je faisais juste des vidéos pour donner du bonheur aux gens. Donc vous étiez un chômeur qui vivait au crochet de la société, hein, des honnêtes travailleurs. Donc c'est pas joli joli, mais bon, on peut faire avec. Merci Magali. Donc, selon vous, vous diriez que vous cumulez plus d'heures de gentillesse dans le bonheur ou d'heures à gentiment chercher un emploi? Bon, examinons votre dossier ensemble, hein, voulez-vous? Donc, on reprend depuis le début. Vous cherchez à offrir du bonheur non déclaré aux gens en tentant de ne pas travailler pour le faire, c'est ça? Vous êtes vraiment un branleur, monsieur. Mais bon, on va se démerder quand même, c'est pas grave, c'est pas grave. On a eu pire, on a eu largement pire. Oh, bonjour monsieur, bienvenue à Pôle Purgatoire, c'est quoi votre situation? Ben moi j'étais vidéaste. Ah non, encore un youtubeur, mais trouvez-moi un vrai boulot, merde, c'est le deuxième là. Ben en fait, j'étais connu pour faire des vidéos où je faisais Jean-Marie Le Pen qui faisait du gaming. Ah carrément, d'accord. Et un jour, ben je me suis fait tuer par son ami ninja. Parce que, en fait, alors je l'ai appris à mes dépens, puisque je suis mort, que FN ça veut dire front ninja. D'accord. Bon alors par contre, il y a quelque chose que je comprends pas trop là. Dans votre dossier, il y a écrit que vous êtes pro-viol. C'est pas très joli joli, monsieur, là. Faut s'expliquer.